À tous. Aujourd'hui, on se revoit pour une nouvelle vidéo sur tout simplement comment modifier n'importe quoi quand on est sur un site internet et qu'on n'est pas administrateur. Je fais cette vidéo parce que perso, les gars de ma classe regardent mes vidéos et ils m'ont dit vas-y, hack EDF. Je sais, ils se moquaient de moi. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer tout simplement que c'est vraiment possible. Pas de hacker mais de modifier site internet et tout ça et tout ça. Et donc je fais un clin d'œil à ceux de ma classe qui regardent cette vidéo. Je vais donc vous montrer tout simplement comment modifier le site internet EDF. Alors tout d'abord il va falloir appuyer sur la touche F12 du clavier. À partir de là vous avez toutes les informations. Mais perso on va pas utiliser F12 pour là. Mais en revanche, justement on va utiliser ça pour vous montrer comme quoi il est possible de modifier cet internet. Par exemple ici vous voyez écrit particulier. Et ben là vous faites éditer texte, vous effacez et vous écrivez par exemple je sais pas, je vais écrire Tony White. Voilà. Vous entrez. Et maintenant, il y a écrit Tony White. Je vais en profiter pour vous montrer un exemple concret de sur quel genre de site on peut utiliser ça. Perso, je vais utiliser ça sur un site internet qui est directement connecté à mon collège. Je vais aller sur cet internet en question. Pause et je reviens tout de suite. Je suis donc sur le site internet en question. Ici vous pouvez voir que c'est flouté pour que non plus la vie soit pas dévoilée. Même mon nom y est caché. Mais pour tous ceux qui me connaissent, ils savent comment je suis. Bon enfin bref, ça c'est pas important. Donc à partir de là je peux vous apprendre comment modifier les notes internet. Enfin les notes. Mais en revanche, il y aura que vous qui pourront les voir. Sur cet internet, ça sera toujours le même truc, mais enfin, ça sera toujours la même note. Mais vous, en revanche, vous pouvez les modifier. Alors, comment modifier par exemple le 3,5 sur 10? Je vais par exemple faire clic droit, inspecter, et à partir de là, on peut tout modifier. Donc, je vais en profiter pour modifier. Je vais donc faire Edit Attribut. Enfin, non, c'est celui-là, désolé. Il faut faire Edit Text. Et par exemple, au lieu de mettre 3, moi par exemple, je vais mettre 8 sur 10. Voilà. Et donc, ici, vous pouvez voir que c'est 8 sur 10. C'est comme là, par exemple. Modifier la note de 6,0 sur 20. Donc je fais clic droit, inspecter, je vais sur élément à droite, je fais clic droit, edit texte, et là je vais mettre par exemple 1,14 sur 20, entrée, et voilà le travail. Donc pour cette vidéo, n'hésitez pas à dire tout simplement si ça vous a plu ou voilà. Après, vous vous abonnez si vous voulez, c'est votre choix, comme je dis dans toutes mes vidéos. Vous faites ce que vous voulez, après, c'est votre choix. Enfin, voilà. Sinon, bah, je vous dis bye et à une prochaine vidéo.